Tout le monde, c'est TixMinute, et là, on est ici pour un comparatif, cette fois-ci PlayStation Saturn. Alors, beaucoup de choses opposent ces deux consoles, notamment le fait que la Saturn n'est extrêmement pas marché, 9 millions d'exemplaires, contre 100 millions pour la PlayStation environ, voire plus. Donc, cela explique tout. Donc, pourquoi la PlayStation a eu toutes ces ventes? Eh ben, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est une nouvelle console d'un nouveau fabricant sur le marché. Mais bon, voilà. Et on va voir que c'est pas forcément le chiffre d'affaires qui donne la qualité. Donc on va tout de suite commencer avec le design. Regardez-moi ça. C'est la PlayStation, c'est simple, basique. Voilà, c'est un truc tout simple. Tandis que chez la Saturn, ils ont fait des efforts pour montrer un peu les qualités là. On a un petit truc bleu ici, enfin je ne sais pas ce que c'est, bon en tout cas voilà un truc bleu qui brille ici, là un capot bien fait, tu sais qu'on dirait pas qu'il est comme ça. Là par exemple le capot de la PlayStation, on voit qu'il est relié, alors que là non, en fait le capot de la Saturn, on voit aucunement qu'il est relié en fait, aucun ralliement. On a un petit port carte mémoire, des petites bandes sur le côté que vous voyez pas. Donc vraiment côté design, c'est la Saturn, on va dire qu'il l'emporte. Ensuite, question résistance. Je sais pas si vous l'entendrez bien, mais là il y a eu un petit bruit. Donc en gros le plastique n'est pas très solide, tandis que là j'ai beau tout faire. Et la Saturn, bien qu'elle soit immense, la Saturn, bien qu'elle soit grosse ou doux, et que la PlayStation soit beaucoup plus fine. Et ben la PlayStation est beaucoup plus résistante que la Saturn. En effet, bon, après, on va poser une petite question. C'est question rangement. La première vue, la PlayStation serait la meilleure, vu que la Saturn est énorme. Mais vu que la taille de la PlayStation est plus large, alors que la Saturn est moins large, et que quand on s'aperçoit que quand on ouvre les CD, et ils sont exactement à la même hauteur. C'est forcément la Saturn qui domine la PlayStation sur ce côté-là. Question câble maintenant, c'est un peu difficile de juger. Parce que tout simplement, la Saturn a des câbles, par exemple le câble Alim, est le même que celui de la PlayStation, donc un câble normal. Par contre, la Peritel, c'est un câble unique pour la Saturn, tandis que la PlayStation, il sera, on va dire, rétrocompatible que la PlayStation 2 sortira, parce que ce sera le même qu'avec la Peritel. Donc voilà, c'est peut-être un positif de la PlayStation, vu qu'au moment où la PlayStation est sortie, il n'y avait pas encore la PlayStation 2, donc pas encore de compatibilité câble, mais voilà, ce sera un futur point positif. Donc on pense à la PlayStation, le jeu de câble. Ensuite, question boîtier. J'ai envie de dire que sont les boîtiers PlayStation, bien que les boîtiers Saturn soient plutôt bien faits et plutôt beaux, les boîtiers PlayStation sont surtout beaucoup plus résistants, c'est pas du papier collé, on a vraiment un boîtier, les mains tiennent, donc voilà, tous des boîtiers PlayStation considérés comme les meilleurs. Ensuite, question manette, c'est un peu difficile de jouer. La manette PlayStation des nouvelles, il n'y avait pas encore les sticks sur les premières manettes. Et voilà, donc c'est ça quoi, c'est une nouvelle forme que tout le monde je pense a adapté à ses mains. Alors que la Saturn, ça garde un peu le format Mega Drive. Surtout que la Saturn, c'est pas parce que ça garde un ancien format que c'est nul, parce que justement, c'est la meilleure manette, j'allais dire. Parce que, en prenant en compte qu'il n'y avait pas du tout de sticks, déjà sur la Saturn, il y avait plus de boutons, j'ai envie de dire, ou presque. Parce que pour les boutons croix, triangle, là, il y avait A, B, C, Y, Z.
Bah voilà, la Saturn déjà, la croix directionnelle est hyper confortable. C'est vraiment une excellente croix de laquelle on peut se reposer dessus. C'est très bien. Les boutons réagissent très bien, sont très confortables. Vraiment, c'est très confortable une manette Saturn. Tandis qu'une manette PlayStation, un peu moins. Maintenant, passons à la question CD. Parce que bon, on a bien vu que les manettes Saturn étaient bien meilleures. Et que du produit aussi accessoirement. Alors les CD de la Saturn, bah je vais comparer, je vais juste laisser comparer. Ça, c'est les PlayStation, ça c'est les Saturn. Les CD Saturn sont très beaux, très très bien. C'est pas des CD PlayStation. Juste un amas de trucs noirs, de rayures et de poussière. Ça prend super bien la poussière ce truc. Parce que bon, sur les CD Platinum, il n'y a même pas d'illustration, c'est juste ça. Tandis que bah ça c'est les Saturn, il y avait aussi ça sur les CD PlayStation, il y a une belle illustration de cheveux adoptés. Peut-être pas aussi beau que le jour lui-même, mais voilà, CD. Ensuite, nettoyage. C'est une petite question que la plupart s'en fichent un peu. Mais voilà, nettoyage, je vous dis, surtout que la PlayStation, c'est vraiment la console la plus facile à nettoyer. Déjà, elle prend pas la poussière, hein, pour une fois, contrairement à ses CD. Et en plus, la Saturn, contrairement à Saturn Elite. Mon dieu, qu'elle prend la poussière. La poussière, ça se voit direct. Enfin, l'entretien de minimum deux fois par jour. Je voulais pas de poussière dessus parce que ça prend très vite la poussière, cette console. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En plus, la Saturn est beaucoup plus, on va dire, dure à nettoyer que la PlayStation. Elle est beaucoup plus simple. Bon. Après, on a eu autre chose. Question mémoire. Bah voilà. C'est la mémoire. Là, par exemple, la PlayStation offre deux ports memory card. Bah les memory card, voilà, c'est ça, c'est une memory card de PlayStation, c'est comment dire, petit, et c'est toute la mémoire dedans, tandis que la mémoire de la Saturn c'était très gros. Mais comment dire, là la mémoire de la Saturn est beaucoup plus avantageuse. Alors je sais pourquoi, vous voyez, il y a deux ports carte mémoire, mais ces deux ports carte mémoire vous servent à rien aussi, il n'en a besoin que un généralement, et que bah vous avez juste à remplacer la carte en fait. Donc c'est, normalement la PlayStation aurait dû en avoir qu'un, ça aurait été beaucoup, bah ça aurait été peut-être plus économique, voilà, mais bon voilà quoi, un port ça suffisait. Alors que la Saturn, et tout se règle là dans les cartes mémoire, tandis que la Saturn, oui, la carte mémoire ici. Donc elle peut avoir la mémoire dessus, bien entendu, mais aussi il y a une mémoire interne dans la console, ce qui vous évite de avoir tout à trimballer dans votre carte mémoire. Donc c'est vraiment plutôt sympa comme système, une mémoire dans la console, une mémoire dans la carte. Donc voilà, c'est ce que je retiendrai. Donc la mémoire, c'est un peu la Saturn qui gagne. Ensuite, question menu, bah je vais vous laisser juger par vous-même, plutôt question intro d'abord, parce que c'est le question soulier, mais bon, c'est pas forcément pareil. Donc bon, vous laissez jouer par vous-même l'intro de la Saturn, puis ensuite le menu de la Saturn et de la PS. Ouais, commençons tout de suite avec le logo Saturn. Bon, a priori, ça va trop normal, hein. D'ailleurs, c'est plutôt bien fait, logo Saturn, comparé à ce qu'on a sur PlayStation. Enfin bon, vous le verrez bien, mais sur PlayStation, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Donc là on a un petit menu marche, pause, avance rapide, donc ça c'est pour les CD audio. Et là vous avez d'autres commandes, hein, donc vraiment c'est plutôt bien foutu. Là on a les autres, les paramètres système, donc date, langue, tiens je vais être en japonais. On a la date, les langues, les chikungu. Ouais, donc on a la date, les langues, les gestions de mémoire, et tout ça dans un menu secondaire. Donc comme ça c'est vite de, on va dire, gérer en même temps avec les gestions de mémoire. Donc la mémoire, la mémoire du système, et aussi il y aurait la mémoire, la carte mémoire, mais bon ça je peux pas vous en parler. Mais par contre la mémoire du système, je ne peux pas, par exemple, on va dire, vu que j'ai pas de carte mémoire, je ne peux pas dire, mais a priori on peut pas transférer par exemple un fichier vers la mémoire interne. Non, il n'y a que ce premier élément et effacer. On a sorti. Autre paramètre encore, donc les duels, les sorties audio, enfin tout ce qui touche à l'audio. Donc ouais, donc vraiment la Saturn c'est pas mal, on a réglé ce canassé graphique et même caché commande. Par exemple, comme vous lisez un CD audio, vous voyez ce petit truc avancé. Donc ouais,
La Saturn, c'est bien, mais la PlayStation, vous serez déçu. Ah, cette fois-ci, c'est au tour de la PlayStation. Donc, le truc que tout le monde connaît, hein, bien entendu. Bon, vraiment, c'est... Voilà, c'est ce que je disais, c'est dégueulasse. On a juste deux petites boules. Enfin, quatre. Ici, c'est des plusieurs memory cards. Vraiment, pas d'interaction, rien. C'est moche, c'est... C'est vraiment dommage de ruiner une console qui fait bien plus en termes de graphisme, hein, avec des trucs comme ça, quoi. Regardez-moi ça, prenez le truc de la Saturn. La Saturn, c'est beau, tout est bien foutu. Dans le truc de la Saturn, là, c'est juste une vieille image bleue avec 4 boules, là, et main menu, me regarde, c'est des PR. Vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune interactivité. Le logo PlayStation en lui-même, bah, il y a... rien d'original, voilà quoi, c'est moche, mais voilà. Passons un peu sur le reste. Donc vous avez sans doute vu que les intros de la PlayStation et que les menus de la PlayStation étaient extrêmement moches. Voilà ce qu'on avait sur Saturn. C'est question jeu. Bah c'est clair que la PlayStation a un catalogue de jeux beaucoup plus large que celui de la Saturn. Mais bon, pas forcément des bons jeux, mais beaucoup plus de jeux, donc je vais dire plus. Question livret. Bah moi je préfère un peu les livrets grand format plutôt que des livrets petit format, hein, de la PlayStation. Mais bon, après on peut pas trop juger sur ce genre de truc, parce que les livrets dépendent en effet des éditeurs et des jeux qui existent. En design de la boîte en elle-même, de la console, je dirais plutôt la Saturn, parce que la Saturn a beaucoup d'illustrations sur la boîte. Je vous montre une petite image si dispo. Tandis que la PlayStation est un peu grise et fade et tout très finette. En résistant de boîte, cette fois par contre c'est la PlayStation, parce qu'il ne sait que Sega n'a pas forcément fait les boîtes les plus résistantes, peut-être les meilleures boîtes, mais pas forcément les plus résistantes. Alors que la celle de la PlayStation est très résistante. Après, question science. Bah la Saturn, je vais tout à dire la Saturn, parce que vraiment la Saturn ne fait pratiquement pas de bruit, tandis que la PlayStation parfois peine un peu à reconnaître les jeux et fait tout un vacarme. Donc voilà, sinon c'était ça. Après voilà, nous avons, on va dire, plus de points positifs chez la Saturn que chez la PlayStation au final. Donc c'est bien la Saturn qui remporte ce match. Donc la prochaine fois sera une vidéo de Minecraft, normalement, parce que j'ai eu quelques problèmes d'enregistrement, machin, tout bon que bon, plein de problèmes comme ça, donc j'ai pas pu vous la faire, mais je devrais vous la faire normalement, dans la semaine, ou voire aujourd'hui, je verrai. Et donc voilà, et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, avec le petit bonus à la fin, que je vous prie pas de vous mettre dans le lien de la description, donc il sera pas à la fin de la vidéo, mais plutôt dans la description. Allez, à la prochaine.